Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous présente mon album Une semaine de ma vie que j'ai complété dans la semaine du 10 au 16 mai. Alors, j'ai commencé par me faire imprimer plusieurs petites photos pour faire le dessus de mon album. Si vous voyez qu'il y a une différence de couleur dans mon mauve, c'est pas que j'ai pris deux couleurs de mauve, c'est que j'ai étampé tous mes textes sur des acétates parce que mon imprimante prend pas le carton. Alors, elle rejette le carton, c'est trop épais. Alors, j'ai écrit tous les textes sur des acétates, puis je les ai mis sur mon carton. Alors, ça me fait soit des différences de couleurs ou sur mes pages complètes. Bon, on ne voit pas les différences de couleurs parce que c'est une page complète. Alors, j'ai simplement pris mes textes que j'avais faits sur mon blog. Alors, tous les textes que j'avais mis sur mon site web, que j'avais pris en note, vous l'avez peut-être pris dans un agenda ou dans votre ordinateur. Je vais finir une grande photo et toutes mes pages d'introduction utilisent les mêmes éléments. Alors, il y a toujours une grande photo, une bande de papier à motif d'un pouce et demi, le nom, le chiffre du jour du mois, alors du jour de la semaine, alors le premier, le 2, le 3, le 4, non pas le premier du mois, mais le 1 étant le lundi. Et j'ai toujours le nom du jour de la semaine, soit sur la photo ou dans un des petits carrés qui le suit. Alors, essayez de garder une constance dans votre album. Ça va vous permettre deux choses. La première, on reconnaît les éléments de base d'une page à l'autre. Et ça permet aussi de raccourcir le temps d'exécution de l'album. Alors, voyez-vous qu'ici, j'ai mon 2 et mon mardi est juste ici dans le petit coin. Ici, j'ai mon 3 et mon mercredi est dans un autre petit coin. Alors, j'ai essayé de changer, mais je garde toujours ma bande avec mon texte et ma grande photo. Ma bande, mon texte, ma grande photo. Mon texte change de façon de le faire. La décoration de la bande va changer tout au long de l'album. Alors ici, ma bande est décorée avec une enveloppe transparente. Alors que sur celle-là, ici, j'ai mis un petit cœur en carton aggloméré. Et puis sur celui-là, ici, j'ai mis un gros bouton avec un cercle. Mais sur toutes mes pages, vous allez toujours retrouver le chiffre avec une bande qui a été décorée de façon différente. Alors c'est de cette façon-là que j'ai fait les pages d'introduction. Ensuite, vous avez plusieurs petites photos avec des décorations et des textes. Alors, vous avez un texte ici, un autre texte là, et j'ai même pris soin de garder des éléments de la vie de tous les jours. Alors ici, j'ai gardé mon emballage de Fiber One, de Fibre 1. C'est ma collation préférée ces temps-ci, puis je me sens hyper santé, parce que c'est plein de fibres, mais c'est plein de chocolat aussi, mais ça, faut pas le dire. Et vous avez la dernière page, où c'est un collage sur une photo 8-10. Mais moi, vu que j'ai des cartons 8,5-11, il me manquait une petite bande pour que mon cadre soit tout de la même grandeur. Alors, j'ai coupé toutes mes photos, puis je suis venue mettre une autre petite bande de papier à motif. Cette fois-ci, seulement 3 quarts de pouce que j'ai décoré. Alors, si on va dans les pages suivantes, vous voyez que j'ai gardé des choses de la vie de tous les jours. J'ai mis du texte, j'ai mis des embellissements, une facture de chez Super C, du texte, des choses décorées tout simplement, et encore une fois, une bande. La bande n'est pas toujours à la même place, parce que Picasa, quand j'ai fait mes montages photos, ne met pas une ligne droite au même endroit à chaque fois. Mais j'ai quand même une constance dans le fait que j'ai des décorations avec du texte. Sur toutes mes pages, j'ai même gardé le dos d'un catalogue Stampin' Up, et j'ai une bande de papier à motif. Alors, pensez garder des choses de votre vie, alors le coût de l'essence cette semaine-là, et décorer vos petits albums en gardant la constance. Moi, j'ai décidé de faire une bande, mais vous, ça pourrait être différent. La publicité que Abba Extermination nous avait envoyée. Alors, toutes les choses que j'ai gardées de la vie de tous les jours sont insérées dans les petites pochettes à baseball et je garde toujours la constance d'une grande bande sur mon papier. Alors, c'est aussi simple que ça. Mon album se déroule, il se lit. Vous voyez qu'ici, j'ai laissé un espace vide. Je cherche quoi écrire. Je vais finir par le trouver. Alors, j'ai gardé tous mes éléments. N'oubliez pas que moi, j'ai décidé de faire une grande photo, une bande de papier, mon texte, toutes mes petites choses dans mes pochettes de baseball. Mais vous, ça pourrait être différent. Vous pourriez faire un album 12-12 traditionnel, un album 8,5-11 traditionnel, un album 6-6 traditionnel. À la dernière page, je me suis fait un mot caché, et j'ai choisi moi-même les mots qu'on pouvait cacher. Alors, je vais vous donner sur mon site web le lien pour faire ce mot caché-là.
Alors moi, on y retrouve rire, baiser, amitié, biberon, stampin' up, bébé, câlin, coucher, famille. Et on a aussi chanter et amour que j'ai pas encerclé, juste pour laisser le en train de travailler, le en train de faire. Comme quoi, il y a une continuité dans mon album. Et j'ai mis deux petites photos, une photo de moi et une photo de mon conjoint. Alors, c'est la base de mon album. Toutes les pages sont similaires afin de me permettre de faire l'album le plus rapidement possible pour pas passer 4 mois à faire mon album que j'ai pris les photos seulement pendant une semaine. Mais c'est un album qui, à venir jusqu'ici en une semaine, c'est l'album qui était le plus regardé à comparer tous mes autres albums parce que tout le monde veut voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de me rejoindre sur mon site web.